Eh bien bonjour, donc nous sommes le 12e jour, nous sommes à mi-parcours de notre calendrier de l'Avent et nous ouvrons donc la 12e porte de notre calendrier. Celui-ci dévoile aujourd'hui une boîte, un boîtier pour mettre les télécommandes. On ne sait jamais où mettre les télécommandes, on les trouve un peu sur le canapé, un peu à droite, un peu à gauche. Et bien là, ça permet de rassembler les télécommandes et puis mettre 4 stylos et 4 bricoles à l'intérieur. Donc la fabrication est très très simple, c'est que de la palette et de la colle blanche, comme ça au moins, et des clous. Donc on a fait le tour. Ce que j'ai fait une petite animation qui vous donne, comme d'habitude, toutes les cotes et l'ordre de la fabrication, comme ça, ça vous guide comme d'habitude, si vous voulez le refaire, hein, bien sûr. Et puis après, je vous montre un petit peu en détail l'objet. Allez, ben, je lance de suite la vidéo. Et donc voilà, nous voyons toutes les pièces, donc nous préparons une première pièce de 17,5 par 14 cm, une deuxième pièce de 17,5 par 17,5 cm, une troisième de 14 par 19,9 cm, une nouvelle pièce, alors là, là je vous laisse un petit peu lire parce que vous voyez qu'il y a des cotes dans tous les sens, une de 17,5 par 12,8 cm, une autre de 8,8 par 12,50, 12,80, pas fait attention. Et puis celle-ci, je vous la laisse lire également. De toute façon, vous y voyez très bien. Donc après, il suffit d'assembler tout ça. Alors je vous conseille de faire d'abord ces trois pièces. Comme ça, vous pouvez clouer l'intérieur. Sinon, vous ne pourrez pas clouer l'intérieur. Et puis après, vous venez simplement mettre le bloc que vous venez de créer ici. Voilà, tout simplement. Voilà, donc écoutez. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour, donc si vous avez bien suivi cette partie ici, cette plaque et cette plaque, en fait j'ai fait un bloc, parce que tout simplement parce que ici à l'intérieur là, je peux pas venir clouer si je l'ai déjà mis. Donc ça me permet de faire le U ici, ici, ici et ici, ça me fait le U, et après je viens intercaler celle-ci, ça fait qu'après j'ai plus qu'à clouer ici et ici, et bien sûr c'est tout fermé. Voilà, donc pour assembler, rien de très compliqué, hein, des clous et de la colle. Donc moi ce que je vous préconise, c'est de préparer 1, 2, 3, 4, 5, 6 planches, vous faites 20 par 20 à peu près, comme ça après vous pouvez tailler à l'intérieur de vous. Vous collez vos planches, vous mettez des serres jouets, vous attendez la nuit, le lendemain vous pouvez faire couper dans vos planches et venir faire. C'est exactement ce que j'ai fait, il n'y a pas de secret. Voilà, bon écoutez, c'est un objet très très simple à réaliser. Il n'y a pas beaucoup besoin d'outils, hein, si ce n'est une scie sauteuse. Après vous pouvez le faire à la scie circulaire pour venir couper les hauteurs. Vraiment, c'est un objet pratique. Vous pouvez le faire en cadeau, c'est toujours agréable. Donc j'espère que ça vous plaira. Écoutez, si c'est le cas, mettez des pouces bleus, comme ça moi je le saurai. Si vous avez des questions, des commentaires à faire, ben, n'hésitez pas, il y a une partie qui est en bas qui est faite à spray pour qu'on puisse discuter ensemble. Et si vous n'êtes pas abonné, ben comme d'habitude, vous suivez ce qui est à l'écran, vous cliquez sur vous abonner, vous cliquez sur la cloche et vous êtes abonné, comme ça vous êtes averti des nouvelles vidéos. Sachant que pendant la période de l'Avent, je répète, je le dis, pour ceux qui me regardent tous les jours, c'est vrai que c'est un peu lourd, mais bon, je suis bien obligé de le dire pour toutes les personnes qui viendraient à voir pour la première fois cette vidéo. Donc, pendant 24 jours, pendant la période de l'Avent, du 1er au 24 décembre, je fais une vidéo par jour, donc un objet par jour. À la fin de ces vidéos, de cette série de vidéos, ira un tirage au sort le 15 janvier pour désigner un vainqueur et gagner un des 24 objets. Les modalités sont en bas dans le descriptif. On est à la 12e vidéo, à mi-parcours. Si vous avez raté les 11 premières, n'hésitez pas, dans le descriptif, vous aurez tous les liens pour pouvoir vous visionner les autres vidéos. Qu'est-ce qui me reste à vous dire? Eh bien, pas grand-chose en fait. Hein. Pas grand-chose, donc écoutez, je vais vous envoyer... Ah oui, juste pour vous dire, en fin de vidéo, vous aurez une petite photo de la fabrication de demain. Demain, on est dimanche, donc demain, c'est un jeu. Donc, en l'occurrence, demain, ça sera le Mastermind, le jeu qui est mondialement connu. Bon, mais écoutez, vous aurez une photo donc à la fin et des photos de l'article avec des accessoires à l'intérieur, en fin de vidéo également.
Je vous dis et je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à demain soir, je l'espère, aux alentours des 19h. Je compte sur vous. Merci, au revoir.